À Ounze, à Matadi, au Congo central, sort de terre une école moderne, l'Institut Lutelo. Pour sa première phase, son initiateur, le député national Muller Lutelo, a débloqué 100 000 $ américains pour 14 salles de classe et des bureaux. Les frais scolaires coûtent moins cher, c'est l'école de l'égalité des chances. En tant que député, je suis aussi enseignant, je suis chef de travaux à l'IEC. Les enfants qui viennent des écoles de la ville qui n'ont pas un bon enseignement n'arrivent pas à nous fournir un bon résultat. Raison pour laquelle je me suis dit, pourquoi pas qu'on ait une école de l'égalité des chances. Donc tous les enfants sont égaux, ceux qui viennent des familles riches et ceux qui viennent des familles pauvres doivent fréquenter la même école et ça sera quelque chose de bien, surtout pour l'avenir de notre ville portière de Matadi. Et pour les Minerval, c'est 20 000 francs, c'est juste un petit rien pour le fonctionnement de l'école. Avec des moyens propres, je vais soulager tant soit peu les problèmes des enseignants. Dans ces quartiers pauvres, les parents peinent à scolariser leurs enfants. Une école du genre, ils l'attendaient. C'est une bonne initiative, cette école dans notre quartier. Nos enfants qui sont en bas âge n'iront plus loin. Depuis qu'il a été élu à Matadi, Muller Lutelo réalise plusieurs œuvres en faveur de la population. Il promet de construire sous peu un hôpital moderne dans un autre quartier pauvre de la ville.